Ouais, les gars, c'est incroyable. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Tu sais, j'habite pas très loin de Port-de-la-Villette. Et après des mois de lutte, ils ont enfin démantelé Crackland, putain. Ah non, mais moi, ça s'applaudit, ça, sérieux. Bah, j'en pouvais plus, c'était l'enfer. Le clip thriller, mais on continue. Par contre, j'ai juste une petite question. Vous avez prévu un plan de repli, Douli? Non, je déconne. Non, mais aujourd'hui, je suis venu parler d'un vrai sujet, les manifestations des femmes en Iran. Et j'ai remarqué que c'est souvent les femmes qui sont en première ligne dans la résistance. En Algérie, il y avait Jamila Bouyred, Zora Drif. En France, Louise Michel, Lucie Aubrac et surtout Nadine Morano. Bouh ! Attaque personnelle ! Non, mais sérieux, les manifestantes en Iran, j'ai jamais vu des individus avec une aussi grosse paire de couilles. Bah, elles en ont dans le Falzer, hein ! Et déjà, elles sont en Iran et elles affrontent la police des mœurs. Le guide suprême, les gardiens de la révolution. Waouh ! Mais on est dans le champ lexical de Goldorak. Fulgur au point. Ça va, Actarus ? Il va comment, Alcor ? Elles vont au contact, front contre front, devant des keufs iraniens. Keufs iraniens. Chaque mot fait peur dans ce corps de métier. Tu sais, niveau répression, c'est les chevaliers de l'apocalypse. Non, mais c'est vrai que les manifs là-bas, c'est du costaud. Hein. Bah, c'est pas la manif pour tous. Et en voyant ces femmes lutter avec autant de courage, c'est là que je me suis dit, tu sais quoi, Jamil ? T'es un peu une merde. Non, parce que... Non, mais... Ah, moi, je vous le dis tout de suite, hein, si un jour je débarque à Téhéran, un pied sur le tarmac, wouh ! Voile intégrale, burqa, tchador, tiens, un burkini en dessous, on sait jamais ce qui peut se passer. Je croise le douanier, salam alaikum, Roya, ça va ? Y a pas une mèche qui dépasse ? Ah, bah, moi, je collabore, je suis né à Vichy. Alors, les iraniennes, même quand elles font pas de manif, elles font des vidéos de dur à cuire. Tu sais, dans leur salle de bain, elles sont là, tondeuses, sabots 3. Elles se rasent la tête comme ça, comme Britney Spears. Tu sais, les larmes aux yeux, le poing serré avec dignité. Je te jure, j'ai vu les images. Tu sais, ça m'a donné des frissons. Et pour leur rendre hommage, nos actrices françaises ont essayé de faire la même chose. Mais ça n'a pas donné le même résultat. Tu sais, elles sont là avec leur beau brushing, balayage californien, Franck Provost. Tu sais, elles coupaient juste des fourches. Je déclare la guerre aux cheveux cassants et aux points de sel. Je vous le jure, mais on dirait une pub pour L'Oréal. L'Iran, parce que je le vaux bien. J'ai fait cette vidéo pour rendre hommage aux femmes opprimées. Et j'en profite pour faire la promotion de ce shampoing qui favorise la repousse. Dior, tchador. Wouh ! Jeu de mots, calembour. Ça va toujours, Jean Roucas, bordel. Non, mais ces histoires, ça me fait réfléchir. Parce que le problème, c'est que je suis musulman. Ah ouais, les gars, musulmans en France, ça peut vite être un problème. Hein. Et tu sais, ma femme, des fois, elle me tend des pièges. Elle est là, ben, je sais pas quoi me mettre aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben, j'en pense rien. C'est pas à moi, tu sais, ben, je suis en déconstruction. C'est pas à moi de te dire comment toi, tu t'habilles. Dans ce pays, tu es une femme libre. Quoi ? Tu veux porter le voile ? Alors ça, jamais ! Ah, Manuel Valls, au secours ! Putain ! Mais tu vas faire comment si tu mets le voile ? Tu pourras plus aller à la piscine, accompagner les enfants sortis scolaires, travailler, vivre ? Putain ! Conclusion, les amis, quoi qu'il se passe, être une femme dans ce putain de monde, voilà, ça casse les couilles, putain ! Merci de m'avoir écouté. Merci. Ah, bravo, merci, Jamil Lachlag. Merci beaucoup.